Le jeu est là et le jeu n'a pas de son. Pourquoi? Ah, le jeu a du son, c'est bon. Ce floute sur ce chat. Et oui, mais de toute façon, t'es le seul, qu'est-ce que tu veux? Nye. Bon, allez, hop, on continue. Normalement, vous voyez mieux, j'ai raté sur les rediffs. Oh, vous voyez rien! C'est. Waouh! Genre, même moi, sur mon écran, je vois mieux que vous. Tu joues pour m'amuser. Tu es comme les. Bonne soirée. Crois que je t'ai pute aussi. Alors, on y va, hein, c'est bon. Ah oui, on en était là avec Paname et tout. Oh là 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 là. Ok. Y a rien à voler encore, c'est bon? Plus rien? Je crois qu'il n'y a plus rien. C'est comme ta chambre ici. Salut! T'as bien dormi? Non. Bien joué, V. Beau raid à l'ancienne. Est-ce que Saul va bien? Il a une fracture du crâne, 6 côtes cassées, des contusions aux reins, mais il est déjà en train de donner des ordres à tout le monde. Et toi? Bof. Oh, je sens plus trop mon dos, là. Faut que je passe chez un charcutoc dès que je suis en ville. J'ai quelques ressorts à faire enlever. Moi, j'ai dormi comme un loir. Ton épaule est super confortable. C'est trop con que je doive reprendre ma route. Du coup, je disais, c'est le DLC. Non, ça sera vraiment vers la fin de cette histoire, j'imagine, le DLC. Ah, c'est pour le DLC. Non, c'est pas le DLC pour le moment. Soon, le DLC. De toute façon, il sort demain. Voilà. Et oui, je refais l'histoire, mais l'histoire, je l'ai fait, oui, il y a longtemps. Donc, genre, même ça, là, le fait qu'on aille ici, je m'en souvenais même plus. Et le fait même qu'on suive des voies, enfin des camions pour suivre. non, il y a non, non, il y a pas de ça sur Twitch, c'est bon. Normalement, ça compte. Puis c'est gênant, merde. Je pense que t'allais rester avec ta famille. Attends, On met je ça. croyais que tu repartais avec les ailes des Keldos, que tu restais avec le clan. Bah oui, c'est le cas. Viens voir. Saul dit souvent des conneries et il aime entretenir la peur, mais il a raison sur un Quoi ça, point. Arnaud? Les Wraiths, le raid, ça a déclenché quelque chose et on doit se préparer. Saul va tout organiser au camp. Moi, pendant ce temps... Toi, pendant ce temps... Les Raffens voulaient connaître nos itinéraires. Hein. Eh ben, on va faire pareil. C'est l'heure de partir en reco. Une dernière chose. Ta récompense. Prends soin de lui. Il m'a rendu un tas de services. Il est entre de bonnes mains, Panam. Il s'appelait comment? Le quoi? Je sais. Le Overwatch? Bon, eh ben, merci encore. Je suis content d'avoir pu vous aider, vraiment. Prends bien soin de toi. Toi aussi, Panam. Et oublie pas, j'ai une dette envers toi. Et le casque? Bon, allez. On retourne en ville, V. J'en ai ma claque du désert et du vent. C'est sympa. D'accord, super. Bon. Oh là là, bon allez. Ça, on se barre. Attendez. Il y a un problème avec la moto, là. Cyberpsychose, machin, tout ça, Takemura. Ah oui, ça aussi, ça c'est la mise à jour, hein. 2.0. Avant, c'était plus dégueulasse, maintenant, c'est plus... C'est plus 2.0.
Alors. Par contre, il y a marqué 6, mais je vois pas. Ah, c'est ça, d'accord, ok, de la main. Faudrait que ouais, je prenne une voiture en vrai. Je crois qu'on en a déjà une de toute façon. Pourquoi j'ai ça encore? Je les appelle genre, super. Par contre la moto bouge toute seule là. Par contre, attendez. C'est. Ah, c'est insupportable. Allez. Et par contre. C'est bon aussi là. Allez. Ah, on est d'accord. J'ai cru que tu avais mis un mode. Non, 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 c'est oui, c'est la 2.0. Par contre, contrat. Non, pas du tout en plus. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux faire qui peut être assez intéressant? Je crois que ça tue. Voilà. Je trouvais ça la dernière fois, je sais pas, je trouvais ça sympa. C'était plus simple. C'est pas ouf, pas fou, on s'en fout. En vrai, de la main, on pourrait le faire en vrai. C'est quoi upgrade you? Ah oui, il faut que je paye Victor. Pire mission ever de la main. Non. En vrai, c'est sympa. Non, en vrai, c'est sympa, c'est sympa. Attends, c'est où juste? Attends, je vais plutôt aller là-bas en fait. Non, mais. Proche bas. F. Pourquoi il veut pas que j'aille là-bas? Tue le truc blanc. Fait que je me fasse ça aussi. Pas ouf la moto. Oula. Attends quoi? Tu as regardé le live du CNS? Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. On n'a pas la même définition de sympa. De sympa. Comment ça de sympa? Je sais même plus de quoi j'ai parlé. Ah, de sympa pour avoir une mission de la main, oui. C'est sympa, c'est tout. Pas de question. J'imagine qu'il y avait du DG sur CNES. Le CNES. Il n'y a pas JDG. Le CNES, ouais. Il n'y a pas JDG, genre? Prends la moto, chiant. Le CNES. Bon, tu m'as compris, le CNES. Non, c'est RCME. Ah, bah, je m'en fous alors, du coup. Genre. Le CNES! On a compris! Pas Z. Mais oui, je sais, mais je dis. En fait, j'ai le nez bouché, donc je t'emmerde. Donc, forcément, j'arrive pas à faire les S. Mais c'est pas nouveau que j'ai le nez bouché en fait. C'est chiant comme bruit de moto là. Pas le CNIN. Le CNIN. Takemura. Le défilé va bientôt commencer. Je t'attends là où on s'est rencontrés. Vers les étals. T'attire pas d'ennui, ok? On va voir Takemura. 1.9 et 1.1. Bon. On va quand même voir Takemura, c'est une mission principale, on va faire ça.
En vrai, c'est sympa parce qu'il y a tout le monde qui reprend un peu Cyberpunk, c'est cool. Oh ah, c'est pas moi. Ah, ça fait vachement place. Ça pour un DLC parce que tout le monde va dire il est nul. Le jeu est bien merde. Ouais. Je gueule là ? Ah ouais, je gueule. Énorme. J'ai pas de compresseur, genre. C'est con, ça. Genre, si je gueule vraiment, y a pas de compresseur. The Witcher 3 est mieux, mais bon. Ça dépend des goûts, des couleurs. Hein. Voilà. Je me garons. Ouais, le chanteur, haha, Garou. C'est un scooter ton truc, mais tellement ça me gonfle. De la merde. Je le reprends pas, hein, clairement. Il part à la casse. Ah, toujours des pubs très très. Olé olé! Tu as réussi à tenir ? On s'en fout. Le défilé va bientôt commencer. Ouais, ça a l'air vachement bien. V, juste attends. Ne saute pas, il y a toujours espoir. Putain, je peux pas mettre ça là ? Salut Goro. Waouh ! T'as l'air de péter la forme, dis-moi. Ah, vraiment ? Je me sens plutôt mal. J'ai mangé ce que vous appelez Scobaga. Scott Barker. Et alors, c'était bon? Demande aux gens de ce. Le défilé va bientôt commencer. J'ai ajusté les données d'Okada-san. Je te conseille de bien les examiner. Pour commencer, le malware fonctionne. Bien mieux que je ne l'espérais. On a des yeux et des oreilles dans la salle des gardes. J'ai regardé la vidéosurveillance. Je sais où sont postés les snipers. Ils sont trois. Tu dois les rendre inoffensifs avant qu'ils s'occupent de moi. Tu peux les atteindre de différentes façons. Le premier est tout près. Ça devrait être facile. Le second, ce sera moins facile. Tu devras grimper. Quant au troisième, il est caché sur la passerelle au-dessus de la rue. On est là. Le char de Hanako-sama s'arrêtera là, près de la sortie du secours qu'on empruntera quand ce sera fini. De ces endroits, tu auras une bonne vue sur le défilé. Mais les snipers verront encore mieux ce qui se passe. S'ils te remarquent, pouf, adieu le voleur. Mais si ça te paraît risqué, n'oublie pas que moi, je dois sauter sur le char, passer par une fenêtre et parler à Hanako-sama face à face. C'est cette discussion que je redoute le plus. Est-ce que tout est clair ? Tu es prêt ? Non. Pardon. On a un plan. Attends. B. Hein. Si jamais ça tourne mal, on a un plan B ? À ton humble avis, je suis accusé de trahison envers Arasaka. Je vais bientôt tenter de parler à la sœur du PDG en personne. Il n'y a pas de plan B. Il faut que celui-ci marche. Ouais, mais toi, tu l'es? C'est moi qui ai élaboré ce plan, non? Oui, en oubliant un petit détail de rien du tout. Ton ami, Oda. Oda est un homme d'honneur. Je suis convaincu qu'il ne m'attaquera pas. Peut-être. Mais tu vas tomber sur Hanako, et en plus par surprise. Tu marques un point.
Dans ces moments-là, c'est l'instinct et les réflexes qui prévalent. Donc ? Donc, j'espère que je suis toujours plus rapide que lui. Sois prudent, Goro. Attendez. Désolé. Merde. Voilà. Les cacher quelque part. Ok. C'est tout bon. Alors, commençons. Tu dois atteindre tous les snipers avant l'arrivée du char de Hanako-sama. Le pauvre Saburo Arasaka. C'est passé d'homme le plus puissant du monde à faire valoir les affaires. Tous les snipers. Ça va être énorme. Cette juxtaposition entre la culture corporative et les spectateurs qui la servent, hey, santé. On devrait pas être là, tu sais. Allez, rentre, amène-toi. Tu n'es pas loin. Il est presque devant toi. Il regarde la foule. Pas ses arrières. Il va rien voir venir. Mmh, 55, 9, 1, CBD. Attends, comment ça, héritage? Ouais, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est chiant. Mais... À toutes les unités, activité suspecte dans le secteur 3. Un junkie barbu près du stand de ballon. Occupez-vous-en. Patrouille, tenez vos positions. Au balcon, deux étages au-dessus, une femme en rouge, sûrement armée. Fausse alerte. Je répète, fausse alerte. Elle tient des jumelles. Embarquez le junkie. C'est relou. Oh, j'ai descendu le plus proche. Maintenant, saute sur le balcon près de la flèche verte et prends l'ascenseur. Je saute. Une fois en haut, prends la passerelle pour traverser la rue. Ça a rien activé, juste ça. Je pensais que vous alliez appeler tout le monde. Ouais. Genre en mode, il y a tout le monde qui est arrivé, tout chaud, je sais pas. Allez tous vous faire enculer ! C'est sympa. T'es dingue ! Ils ont pu tes hommes et ils ont même pas eu la décence de nous rendre son corps. Et son corps, pas droit à l'indemnité. C'est important. Toujours une bonne ambiance en tout cas. On est en train de parler à quelqu'un. Je te connecte. Toi que tu entends aussi. On se calme. La sécurité est médiocre. Aucune de nos normes n'est respectée. Hanako-sama ne devrait pas être là. Vous discutez les ordres de Yorinobu. Faites votre putain de boulot. Compris. Terminé. Je peux passer où? Ah si non, c'est l'autre balcon. C'est une pension. Oda est ici. Je te recontacte quand je suis de nouveau. Je le connais, ce borgue de merde. Gazon. C'est ce putain d'Adam Smasher. Essaie d'attendre la zone de maintenance. Tu pourras grimper depuis là-bas. Sans aucune surprise, toutes les factions du monde au sol. Ah, je crois pas. C'est Arasaka, vous savez. La passerelle a pas l'air très stable. T'es bien sûr que Takemura va pas essayer de te baiser? Genre, je passe là? Merde! Faut y tomber. Attention, ne te fais pas remarquer. Je passe là, ici. Je te l'avais dit. Ah
Ça glisse un peu, quoi. Allez. La courir et sauter. La passerelle n'a pas l'air très stable. Ah ouais? Sûr que Takemura va pas essayer de se baiser. Je pense. C'est de ma gueule ici, hein. La passerelle a pas l'air très stable. T'es bien sûr que Takemura va pas essayer de te baiser. Je suis jamais arrivé jusque là. Et il me donne des conseils. Tu backseats. Bien, t'es ban. Moi je suis sûr je passe juste comme ça. Alors ? Alors ? Le silence n'est pas d'or. C'est le bruit d'une flamme. D'accord, j'aurais peut-être pas dû être là. Mais je fais quoi maintenant ? Y'a que ça ? Ah. L'un de nous deux est plus fou que l'autre. Tu dois trouver le moyen de descendre. Fais attention. Oui, comme quoi, ça. Quoi Prends ton temps. J'ai besoin de toi. Pas de ton cadavre. Soldat. Industriel. Visionnaire. Mon père. C'est moi. Mais faut que j'aille juste coup là. Une lâche attaque terroriste qui a coûté la vie à 4000 personnes. Des employés d'Arasaka Corporation. Et des y a pas de machine maintenant encore. La tour d'Arasaka s'est effondrée. Et pourtant, sa flèche. Jusqu'à la zone indiquée. LOL. Patrouille. Je vais voir. Avec encore quelques mètres et il est à toi. Bon, puisque ça c'est chiant à faire. Hop. Voilà. Je scanne la zone. Cible éliminée. Ravi de l'entendre. Guillotine. Il y a une porte vers un escalier au bout de la pièce. C'est le chemin le plus court vers le prochain snipe. Ouais, je t'écoutais. BD 55 BD. BD. Je te tiens au jus. Mais, c'est encore Oda. Écoute. On doit annoncer que la sécurité publique est compromise. Elle doit être évacuée sur le champ. Arasaka est parfaitement capable. Demandez à votre matrose qui compte le plus. Mais, c'est encore. Que la sécurité publique est compromise. Elle doit être évacuée sur le champ.
capable de protéger ses dirigeants. On est un votre patron, ce qui compte le plus. L'image d'Arasaka, ou la vie de sa sœur. La situation est sous contrôle. Terminée. Tu as entendu? Ils se rendent compte de quelque chose. Il faut nous dépêcher. Là, clairement, je sais pas trop quoi faire. Va voir ce qui se passe. C'est quoi cette merde? Une 9 BDBD. Essaie d'attendre la zone de maintenance. Tu pourras grimper depuis là-bas. Et si ça ne marche pas, tu peux utiliser la passerelle sur ta droite. Attention au réacteur du char. Je te conseille de baisser la tête, sauf si tu as envie d'une permanente. C'est bizarre. Ça vaut pas le coup. Fouille le secteur. Juste bête, hein. Noyau. Deux positions ne répondent pas. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il semblerait, oui. Bon travail. Il reste un problème. Et c'est quoi? La
Netrunner d'Arasaka. Elle a pris le contrôle de tous les réseaux. 29 en C55. Il faut te débarrasser d'elle. On ne pourra pas détourner le char autrement. Elle se cache dans un immeuble en construction. Pas loin de la planque du deuxième sniper. Ok, je m'en occupe. C'est classe. Sympa. Pardon, ça. Maintenant, j'ai attiré son attention. Débranche ta connexion. T'es là depuis un moment. Fais une pause. Merde ! Audra ! What the fuck ? Il fallait que vous soyez là. Tu t'avais prévenu. Attention, garde tes distances. Reste à l'écart de Salam, ou il te fuira comme un poisson. Kouka et ses étés à l'œil. Tu ne me laisses pas le voir. Deux secondes. C'est bon. Déjà, je désarme pas ouf, là. Y'a plus les DPS? Oh non! Ah si, y'a toujours les DPS. 300. Je vais avoir d'être plus sympa. Ah non, c'est le nombre de munitions, je suis débile! Meilleure qualité. Mais qualité, on s'en fout. Par prix au pire. Non. Ah oui, donc ça s'appelle vraiment Overwatch. Ok. On va prendre celui-là. Mais aussi triche, vas-y, putain. Forcément que ça va commencer à me faire chier en vrai. Par contre, il meurt jamais, genre.
Ah, c'est trop grave, putain. Il est où? Ah, c'est tout ce que j'ai à faire en fait. Hein. Non mais vas-y, il se re-soigne. Oh putain, ça va être insupportable. Oh franchement passé hein, pour la VOD1, franchement passé. Un truc parce qu'en vrai c'est vraiment insupportable, genre vraiment. Comment ça? Comment ça? Non, tu m'étonnes que j'en chie, mais tu m'étonnes. Oh, franchement le jeu il fait pas d'effort aussi hein. Oh putain, c'est insupportable. Toujours plus intéressant ce genre de truc là. Comment ça je peux pas? Ah, j'en ai plus? Mais si, j'en ai encore. Qu'est-ce qu'il me raconte? Point d'avantage insuffisant. Ma gueule. Mais. Ah non, point d'avantage et point d'attribut. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais, là j'ai vraiment plus rien par contre. Ok. Oh!
Bah ouais, mais je fais toujours rien en fait. Là, ça peut durer, mais genre indéterminant. Enfin, indéterminant. C'est genre infini en fait, ça peut durer longtemps. Bah ouais, je prends un peu. Ouais, mais je pars pas encore avec ça. C'est quoi ça? Rien. Enfin, putain, le jeu n'est pas du tout buggé. Quand je lui tire dessus et qu'il est en cinématique, enfin, quand il est en animation, je peux rien faire en fait. Ah bah super. J'ai une carte tournée là-bas pour faire un gamin là. Non plus, toujours pas. Il est où l'enfant là? Putain. Il est là. Voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est fini. Plus rien. Mis à part cette merde là. Si je veux... Merde. Oh putain. Je crois qu'il est bugué en fait là. J'ai réussi à... Par contre, il est vraiment bugué. Oda, il est mort. Il respire. Mais je peux le buter. Pour l'instant. Je t'en prie, V. Aie pitié de lui. Mais il a voulu me buter. Tu devrais te barrer la route maintenant. On continue. Je suis désolé, Oda. Non. En même temps, vous l'avez cherché. Non. Rien ne... Ta gueule. Il a voulu me buter, c'est bon. Ok, c'est bon. Je suis en ligne et dans le système. PTDR. Hanako est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe un coup de fil, je crois. Essaie de... Écoutez, n'oublie pas de désactiver les alarmes. Il faut que je puisse entrer. Je veux bien désactiver les alarmes, mais... Kiken da to keikoku sareta no. Oda to mo renraku ga torenai shi. Nanika hen da wa. パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる弱さ誰のあなたの
俺たちのだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割があるの。美智子は文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止でもいい。全部やめだ。お前の安全が大事だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴロ、les systèmes sont HS. C'est maintenant ou jamais. お父様。花子様。あなたは。お許しを。どうか話だけでもお聞きください。サブロー様は。父のことを口にしないで。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことは。花子様、無礼を働きたくありません。しかし。Fuis ! Merde, merde, merde ! Il l'a descendu ? Quoi qu'il ait fait cette fois, on est bien baisé. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. T'étais censé le tenir en laisse. On ferait bien de se tirer d'ici vite fait. Oh oh. Je run. S'il vous plaît, merci. Hey, tu es en sécurité? Ouais, pour l'instant. Putain, t'as perdu les pédales! Pas le temps d'expliquer. Il faut qu'on se voit. Où est-ce que t'es? Dans un immeuble abandonné, sur Vine Street. Deuxième étage, appartement 303. Frappe quatre fois. Fais vite! J'ai failli me faire piétiner. Je crois que j'ai des coups de cassé. Mais je peux, ça va. On est bientôt à l'antenne. What? 3, 2, 1. Ici Gillian Jordan de N54 News, en direct de Japantown, où un défilé commémoratif. Hé, hey, vous êtes dans le champ. Allez, on recommence. Ça, il a connerie que je vais faire. 3, 2, 1. Ici Gillian... Vous êtes dans le champ. Trop aimable, il y a des gens qui bossent ici. Ça va, je peux te buter aussi, hein. Relou. Attends, reviens toi. T'as l'air en forme, mon frère. Ouais, hein. C'était de la bonne cette. Attendez, personnage. Sang froid. Je peux commencer à avoir des trucs là ou pas? Ah ouais, je peux commencer à avoir des trucs. Concentration. Guerrier de la route. Il n'y a pas... Ah, il n'y a pas... C'est chiant ça. Guerrier de la route. Oh, surcharge de système. C'est ça ce qu'il me faut. Et traçabilité, non, il n'y a pas. C'est trop bien ce truc là en fait. Mais c'est trop bien ce truc. Ah il y en a plus. Ah il y en a plus. Mais c'est trop bien. Bon du coup si j'ai envie de buter elle. D'accord. 13.
comment on change ce truc là? J'ai combien? Bon, déjà il faut que j'aille voir Takemura. J'aime bien dire Takemura. Takemura. Excusez-vous, poussez-vous! Takemura. C'est amusant. Oui. Vas-y, with. Attends, est-ce que je peux me plonger maintenant? C'est vrai. Alors. Y'a rien qui est bien. Toujours rien qui est bien. Toujours rien qui est bien. Toujours rien qui est bien. Oh. Ok. C'est tout ce que je peux faire? C'est nul. Putain, je peux encore rien faire avec les systèmes que je viens de débloquer, c'est super. Oh, il est bloqué dans ce cas-là. C'est chiant. Hey, ten cuidado. Oui, oui, super. Ah, compris. Il faudrait que j'aille rembourser Victor maintenant, là. Enfin, une fois que j'ai fini ça. Ouais, je suis à pied, moi. T'as l'air en forme, mon frère. De fou. Ouais, hein. C'était de la bonne cette fois. Ah, c'était pas moi qui parlais. Cool. T'es arrivé? Oh. What? Y'a plus de voiture. Ok. Ok. Je peux pas rentrer par là. Vincent, c'est pas ça. Quatre fois. Ok, montre. Dépêche-toi. J'ai cru qu'il t'avait eu. En ce moment, Hanako est la personne disparue la plus connue au monde. J'en suis conscient. Donc, on a tous les soldats d'Arasaka au cul. C'est vrai. Alors ne perdons pas de temps. Je lui ai proposé du thé. T'as kidnappé Hanako Arasaka et tu lui offres une putain de tasse de thé? Oui. Et elle a poliment refusé. Il m'a pas dit le dernier truc, exposez-lui. Toi, il t'écoutera peut-être. Okay. Hanako-sama, kare ga rei no jinbutsu desu. Dou ka hanashi o kiite agete kudasai. Navré d'être obligé de vous parler. Dans ces conditions. C'est la deuxième fois que j'entends cela aujourd'hui.
J'étais au Konpeki Plaza, ce soir-là. J'ai vu Saburo Arasaka mourir. Il a pas été empoisonné. C'est un mensonge inventé par votre frère. C'est Yorinobu le meurtrier. Vous êtes fou si vous pensez que je vais croire ces idioties. Écoutez, je sais que pour vous, ça fait beaucoup à encaisser. Je sais aussi que vous êtes une femme d'honneur et de confiance. Alors, je vais vous faire une proposition. Vous ? Me faire une proposition ? La relique que votre frère essayait de refiler à Netwatch est dans mon crâne. En ce moment même. J'ai pris une balle en pleine tête, mais la puce m'a sauvé. Maintenant, elle me tue à petit feu. C'est un de vos constructs de personnalité. Un engramme. Il réécrit ma psyché. Je dois arrêter ça avant que ce soit irréversible. Et je sais que vous pouvez m'aider. Hanako-sama, V est la preuve vivante du terrible crime commis par votre frère. Nous pourrions confirmer chacun de ces mots si vous pouviez l'aider à retirer la relique. Hanako-sama. Tu as entendu ça? Va vérifier. Je le sens pas super, là. Pas maintenant! Arasaka! Ils nous ont trouvés! Mais chier! C'est notre dernière chance de se tirer de là. Takemura, je peux pas l'abandonner. Oublie-le, il est foutu. Sauf si tu veux finir comme lui. Allez, on y va. Vraiment, j'ai le temps de faire ça, là. 7A, BD, 1, 5... Un C, pardon, 55. J'ai pas de 55. 7, 4, BD, 1, C. J'ai en 55. Mais... Reste près du sol et ouvre l'œil. Ils sont dans le couloir. Oula, ils sont beaucoup. Ah, ça gonfle le fait de vouloir être discret. Oh oh. Ah, contact. Et en fait, tu peux pas être discret parce que ça fonctionne pas en fait. Mais casse-toi toi. Et t'aider. Deux secondes, est-ce que je peux... Merde, non, c'est pas ça, c'est ça. Je veux toujours pas. Oh, c'est chiant. Augmenter ça. Il est touché. Continuez de tirer.
Là, tu peux dire contact. À couvert, tenez bon. Faites munitions, je recharge. Qu'est-ce que... Je t'interdis de t'évanouir. C'est pas le moment. Allez, putain, il faut se tirer de cette ville. Tu crois qu'ils font ces motels spécialement pour les dégénérés comme nous? La clim est naze, il y a des vieilles seringues sous le lit, les chiottes sont bouchées. Non, mais sérieux, qui viendrait dormir ici? On n'est qu'à quelques bornes de Night City. Si quelqu'un quitte la ville, il s'arrêtera pas ici. Et s'il y va, surprise, eh ben il dormira en ville. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un motel paumé comme ça? Je vais te dire... Johnny? Quoi? Ferme ta grande gueule. Par pitié. Dire de la merde comme tu le fais risque pas de nous avancer. Ah, on dirait que les rôles sont inversés. Johnny, est-ce que tu vas... Maintenant, c'est nous qui sommes là, à attendre que les troupes d'Arasaka débarquent. Si on frappe, tu exploses la porte. Pas de sommation. J'ai pas vraiment envie qu'on finisse comme Takemura. T'as entendu ça? Une caisse. À cette heure-là, dans un coin pareil? Merde. Juste une? Le doigt sur la gâchette, V. Pas un bruit. J'ai un message pour V. Ne touche pas à cette porte. Je sais que vous êtes là. Vous dormez? Il est temps de vous réveiller. Je sais que vous êtes là. Qui est là? J'ai dit qui est là? Vous voulez que tout le motel soit au courant ou vous me laissez entrer? Je suis armé. Ne tentez rien. C'est pas trop tôt. Oh, dégueu. Sur le mur, là, c'est du sang? Ouais. J'ai viré le dernier connard. Donc, vous parliez d'un message? Il est assis juste là. Ça va bientôt commencer. Qu'est-ce qui va commencer? C'est une poupée. Ou un proxy. Je dois clarifier une chose. Je pense toujours que vous êtes fou, mais... Anako? C'est vous? Mais je ne peux plus me leurrer. Je vous crois. Comment vous m'avez trouvé? Vous pensiez vraiment qu'il vous suffirait de quitter la ville? Takemura m'a dit qu'il avait placé un traceur sur vous.
Mais même s'il n'en avait rien fait, quand Arasaka cherche quelqu'un, elle le trouve. Une connasse de riche. Désolé. Je sais que ça doit être dur pour vous. Douloureux. Tellement que je ne voulais pas regarder la vérité en face. Vous allez faire quoi ? Yorinobu a planté un Tanto dans le cœur même de la corporation. Je dois agir tant que la blessure est fraîche. Et vous allez m'aider. Vous êtes la preuve vivante de son crime et de sa trahison. Ah, c'est déjà décidé ? Vous n'êtes pas en position de négocier. Et si je vous obligeais à coopérer ? Pour ça, il vous faudrait plus de proxys. Vous êtes là parce que vous êtes seul. Vous avez personne d'autre sur qui compter. C'est exact. Alors quelles sont vos conditions ? Je veux savoir tout ce que vous savez sur Mikoshi. Mikoshi. L'un des projets phares de mon père. Une forteresse de données, avec des serveurs situés en orbite autour de la Terre. Une archive des constructs de personnalité. Des psychés numérisés, en quelque sorte. Ou une prison ? C'est une question de point de vue. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui pourra vous sauver. Pas sans une connaissance approfondie de la relique et du processus de création du construct. J'ai réussi à prendre contact avec Alt Cunningham. La Cunningham ? Celle qui a inventé le tueur d'âmes. Elle utilise sa propre version modifiée. Ça, ça nous sera plus qu'utile. J'ai retrouvé votre fugueur, Hellman. Il s'était planqué dans les jupes de Kang Tao. On a parlé. Il pense que tôt ou tard, l'engramme va me consumer. On peut pas arrêter le processus. Voilà une conclusion bien fataliste pour un homme de science. Au moins, j'ai pu mettre la main sur les plans de la relique. Il y a des infos détaillées sur son fonctionnement, la documentation sur la tech. Très utile. Et encore plus avec Hellman, toujours en vie. Je vais le contacter et lui expliquer qu'on ne quitte pas Arasaka aussi facilement. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et maintenant ? Nous devons nous voir en personne. À l'Embers, dans le centre-ville. C'est discret. Mais rappelez-vous une chose. Vous et moi, nous devons agir avec une extrême prudence. Oh. Voilà, j'ai fait mon boulot. Tu sais quoi ? Quoi ? Je crois que j'aurais préféré voir les troupes d'Arasaka débarquer. On a eu ce qu'on voulait. Me dis pas que t'as eu les jetons. Moi ? Va chier. Non, mais réfléchis. Hier, Hanako vivait dans un monde où personne lui voulait de mal. Et aujourd'hui, elle a quoi ? Une ville étrangère ? Un frère meurtrier ? Et un putain de voleur. C'est pour ça qu'elle a envoyé un proxy. Elle est seule. Et elle se chie dessus beaucoup plus que nous. Ah ah. Clic. Quoi ? C'est quoi, Clic ? Le son de Salès qui s'accroche. Ok. Bon. Alors, t'as quelque chose à ajouter sur la connasse de Rich ? Putain ! Merde, prépare-toi. Putain ! Oh !
Johnny... Ce que tu sens, c'est l'air marin. Allez, debout. Le Pacifique est de toute beauté à cette heure-ci. Cette crise a failli me tuer. Failli. On est à Pacifica. C'est quoi cet endroit ? Un vieil hôtel, le Pistis Sophia. On est les seuls clients. Allez, viens, je veux te montrer quelque chose. J'ai vu la pseudo-endotrisine dans ta main. Je peux pas vraiment m'en sortir dans ce corps sans ça. J'ai eu l'impression que t'essayais de te débarrasser de moi pendant que t'étais dans les vapes. Et franchement, c'était galère. Ah ! Je t'ai bien vu, alors essaie pas de mentir. Tu voulais prendre les médocs. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Non, arrête. Je te connais bien maintenant. Hé, hey, je t'ai sauvé la peau. Je t'ai mis à l'abri. Et toi, tu doutes toujours de mes intentions ? T'as hésité. T'allais les prendre, mais ta conscience t'a empêché d'aller jusqu'au bout. Donc Johnny Silverhand aurait une conscience, maintenant. Oh, lâche-moi avec ça, ok ? Passer par la fenêtre. Ça, je devrais y arriver. Ah ! Tu voulais savoir pourquoi je t'ai amené ici. Il y a une planque, là, juste derrière moi. Ouvre-la et vide-la. C'est les tiennes ? C'était. Elles sont à toi, maintenant. Ça a 50 ans. La guerre au Mexique ? Quand j'étais qu'un petit merdeux comme toi, je me suis enrôlé dans une armée corpo. C'est au Mexique que j'ai compris que quel que soit le conflit, les corpos gagnent toujours. Et les gens ordinaires perdent toujours. Hé, hey, tu t'es dit que t'allais exprimer ça dans tes chansons ? D'abord, j'ai déserté. J'ai atterri ici, dans cette piole. J'ai passé un bon mois allongé sur ce lit à fixer le ventilo. Moi aussi, je pourrais m'allonger et fixer le ventilo jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Je veux t'éviter de foutre en l'air des jours, des semaines, comme je l'ai fait. Pourquoi tu me les donnes ? Imagine qu'on nous envoie au front et qu'on doive se battre côte à côte. Tu serais prêt à prendre une balle pour moi ? C'est débile comme question. Oui ou non ? Je crois. Ouais. Ces plaques appartenaient à un gars qui a donné sa vie pour me sauver, au Mexique. J'ai bien réfléchi à notre problème. Je veux que ce soit bien clair. Je te ferai jamais de mal. Quand le moment viendra, je donnerai ma vie pour toi. Je te laisserai m'effacer. Et ces plaques sont la preuve de ma promesse. Je ferai la même chose pour toi. Ouais. Merci. Tu veux vraiment accepter l'offre d'Anako ? Je ferai ce qu'il faudra pour survivre, même si je dois me salir les mains. Bon, écoute, tu feras ce qui te paraît juste. C'est toi qui décides. Mais j'ai juste une requête. Bon. Adam Smasher, le fils de pute qui a réussi à m'avoir. Quoi qu'il m'arrive, je veux que tu le dézingues, qu'il disparaisse de la surface de la planète. Sérieux ?
Smasher. Tu penses à lui d'un coup. La dernière fois qu'on l'a vu... On n'a pas pu lui dire bonjour. C'est pour ça qu'il faut le trouver. Et en finir une bonne fois. C'est ça ta dernière volonté. Te venger. C'est bien plus que ça. Et je veux que t'emmènes Rogue avec toi. C'est aussi important pour moi que ça l'est pour elle. Alors, je parle à Rogue, je lui dis tout. En fait, ça serait mieux que je lui dise moi-même. Prends les médocs de Misty et laisse-moi les commandes à maman. Je suis pas du tout emballé par ton plan, t'en es conscient. Je vais juste discuter vite fait avec Rogue au sujet de Smasher. Après, je te rends les rênes, promis. Rogue serait un bon prétexte. Pourquoi ? Pour m'emparer enfin de ce corps dont je rêve la nuit ? Ou pour lancer une autre mission suicide débile contre Arasaka ? Je commence à bien te connaître, Johnny. Pour la dernière fois, j'ai pas de plan secret. Je veux savoir exactement ce que tu comptes faire, Johnny. Je vais dire la vérité à Rogue, et on verra si elle est prête à nous aider. Salut, Satan m'a viré de l'enfer, alors je suis passé te dire bonjour. J'ai juste à mentionner Smasher, et à parler du bon vieux temps. Tu vas voir, ça va aller tout seul. D'accord. Je vais le faire, pour toi. Merci, c'est cool. Emmène-moi à l'Afterlife. Tu le regretteras pas, promis. Je me sens mieux. Je devrais y aller. Je sens toujours une douleur aiguë près de ton cœur. Je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. L'hôtel Pistis Sophia. C'est ça ? Ouais. Bel endroit pour mourir. Mais pas aujourd'hui. Ok. Bon bah il faut que je me barre de là maintenant. Quelques édits pour un vétéran. Tiens, c'est cadeau. Je savais que t'avais bon cœur. Dieu te bénisse. Une fois qu'on est libre, je vais essayer de faire quelques quêtes secondaires.
pour soutenir le stream. Comment ça hein? Bien. Les sortir. Taper une pub. Soutenir Twitch, ouais. Le streaming. LOL. Attendez. Ok. Alors. Je peux pas la faire cette mission. Faut que je fasse toutes les quêtes secondaires. Il faut que j'aille là-bas. Mais ça, je peux pas y aller. Ça, c'est-à-dire qu'on le fera vraiment à la fin. Je peux vraiment pas le faire. Yes. Du coup, je sais pas pourquoi est-ce que ça m'a emmené là-bas en fait. C'est un peu con. Mais du coup, on va faire toutes les quêtes secondaires entre parenthèses. Maintenant, du coup. Secondaire. C'est surtout principal en vrai. C'est pas du tout secondaire. Pour moi. J'ai l'impression que ça lag énormément. Allez. Ouais, du coup, les pubs, c'est Twitch. Hein. Là, vraiment, j'ai tout désactivé. Vraiment. Il n'y a vraiment plus rien, quoi. Mais tout de A à Z. Là, c'est vraiment Twitch qui met les pubs. Ok. Pas que j'ai le chat quand je roule. Quand je roule, pardon. Ok, ok. Bah, c'est bonne game, du coup. Bon, vas-y, abuse aussi. Ouais. Faut que j'aille voir Claire aussi, c'est vrai, j'ai oublié. Attendez, je vais juste voir un truc rapidement. Ah si, il y a une compression. Ah mais... Ah, foufou le... Ok. Je vois le streaming. V, t'aurais un moment? T'as besoin de parler? Ce sera un peu plus long que ça. Tu peux passer au camp? J'ai un problème. T'as un problème et c'est moi que t'appelle? Je croyais que t'avais rejoint ta famille. Bah, c'est vrai, mais je me disais que... Bon, j'imagine que ça veut dire que tu comptes pas venir, c'est ça? Ouais, j'arrive. Ok, j'arrive. Je viens pas du tout. Oh, merci. Ça fait plaisir à entendre. Tu pourrais m'en dire plus? C'est quoi le souci? Il vaudrait mieux que... Laisse-moi deviner. C'est Saul, c'est ça? Toi, tu me connais par cœur. À tout de suite. Allez. On verra ça plus tard. Bien évidemment. Content de te revoir, petit. Ça va, hein? Petit mode. Bon, alors, t'es prêt? Je pense que Rock devrait bientôt arriver. Tu vas la faire culpabiliser pour qu'elle puisse pas te dire non. Lui rappeler comment elle t'a laissé crever comme une merde dans la tour Arasaka. Primo, elle croyait que j'étais déjà mort. Et secondo, je lui ferai jamais ça. J'en aurais pas besoin. Quoi? Tu vas utiliser ton charme? Rogue m'a jamais dit non. Jamais. Bon, pour la dernière fois, on est bien d'accord que tu vas juste parler de Smasher à Rogue.
Après, tu me repasses le volant et tu retournes sur le siège passager. Ouais, c'est le plan. T'inquiète pas. Je vais y aller, Molo. Ça risque même de te plaire. Ça m'étonnerait. En fait, je regrette déjà. Ok. Je suis prêt. Oh bah c'est pas trop tôt. Oh, y a un truc qui a changé. T'as fait quelque chose à tes cheveux. Oh putain, c'est bon d'être de retour. Je savais pas que t'étais parti. Qu'est-ce que je te sers? Tequila old fashioned. Ajoute-y de la bière et une pincée de piment. Le cocktail de Silver End. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas commandé. Oh, renvoie-moi. Ça marche. Cassius Ryder, ça te dit quelque chose? Le tatoueur. Comment tu le connais? C'est un vieil ami. Où est-ce que je peux le trouver? Il a sa boutique à Watson, sur Pershing Street. Alors ce sera quoi pour vous? Le book ou l'autre? Le book. C'est plus mon style. Il va l'adorer. J'en doute pas. Jeremiah Grayson. Paraît qu'il bosse pour Smasher. Mais si on vous demande, je vous ai rien dit. Hey, vous êtes qui déjà? Ouais. On peut dire qu'on avait un truc en commun. Ruby Collins. Et s'est mise avec Grayson après que je me la sois tapée. Barman. Simon, Simon. Allez, plus vite. Gauche ou droite? Je crois que j'ai quelque chose de mieux. Hé, hey, c'est toi, Ruby? Quoi? On t'a parlé de moi? On pourrait aller ailleurs. Je te dirai ce que j'ai entendu sur toi. Tu me montreras si c'est vrai. J'ai juste un petit truc à régler avant. Toi, enlève tes sales pattes de Ruby. Elle ira nulle part avec toi. Elle est de service, c'est clair? Putain, ce que ça m'a manqué. Bon, je t'attends dehors. C'est moi que t'attendais? Allez, viens, on va chez moi.
bas où? Martin Street. Mais on va faire un détour. Elles te vont bien? T'as du feu? J'appelle. Ruby, écoute-moi. Faut que je parle à Grayson. Hello, Night City. Tu craches du sang comme ça tous les matins? On peut parler d'autre chose, s'il te plaît? Bien sûr. La première fois que t'es venu, j'ai bien senti que t'avais quelque chose de familier. Blabla, Johnny t'a tout raconté. T'as pas l'air surprise? Je l'étais un peu au début. Mais plus maintenant. Tu t'en souviens peut-être pas? J'ai vu quelques bribes. Mais pas tout. Heureusement, putain. Il m'a appelé tôt ce matin. J'ai cru que c'était toi, bien sûr. Alors je me suis dit, il est sympa ce petit. Mais complètement ch'tarbé. Et t'as voulu voir de tes propres yeux, hein? La curiosité morbide? Et j'ai trouvé Johnny Silverhand. Ça fait bizarre que tu sois au courant pour Johnny. Ton visage change, tu sais. Tu gardes la même tête. Mais ce petit sourire narquois, c'est 100% le sien. Et sa façon de parler, de bouger, même de fumer. Je fume pas. Je sais bien. Aucun risque de vous confondre. Tu peux dormir tranquille. Smasher. Il t'a parlé de lui? Oui. Je savais pas qu'il était revenu à Night City. Johnny a trouvé un moyen de l'atteindre. Attends. Grayson? Jeremiah Grayson. Il bosse pour Smasher. Johnny a su ça par une stripteaseuse. Me demande pas comment. Et Bouniqué. C'est tout ce qu'on a. Mais je vais voir ce que je peux faire. On va la voir, ce sale fils de pute. Tu sais ce que Smasher a fait pendant tout ce temps? Il a disparu après l'attentat de la tour Arasaka de 2023. Personne pensait le revoir. Et puis un jour, il est revenu comme ça. Il a fait quelques jobs pour Arasaka, avant de disparaître à nouveau. Personne l'a vu depuis des années. À part Grayson, apparemment. Je peux faire quelque chose? Dans ton état? Tu rigoles? T'es quasiment HS. Je t'appelle quand j'apprends un truc. Ok. J'arrive pas à croire que cet enfoiré soit quelque part dans ta tête. Oh putain.
Putain. Plus jamais ça. Je pouvais pas savoir que les cachetons te mettraient dans cet état. Il serait peut-être mieux passé si tu les avais pas fait descendre avec tout un tas de saloperies. Tu t'es foutu de moi. Tu devais seulement parler à Rogue. Mais je lui ai parlé. Et à la stripteaseuse, la baston à l'impassé, le tatouage. C'était nécessaire. Il me fallait quelque chose de concret pour Rogue. J'aurais très bien pu m'en charger tout seul. Ah ouais? Et t'aurais parlé à Rogue tout seul aussi? Ou t'aurais eu besoin que je te souffle tes répliques? Oh putain, je crois que j'ai germé. Allez, viens, on sort. Il faut que tu prennes l'air. Il est un peu abusé. Qu'est-ce qu'il a fait de ma gueule? Attendez. Je peux pas voir? Mais non. Non, je veux voir. C'est quoi cet endroit? Un endroit où tu peux dégueuler tes boyaux sur la moquette, sans problème. Oh, ça va, fais pas ta fine gueule. Genre, je peux vraiment pas me voir là? Attendez. Non, je peux pas. Ça ne veut pas. Alors, tu te sens mieux? Non. Bon. Non, faut que j'aille voir Victor. Je sais que c'est par là. Victor. 30 000. Non, non, faut que je le rembourse. Pour aider les conneries. Aussi. Ah. Oh là. Supportable. Pour moi, ta parole vaut tous les édits du monde. Ah, tu dis ça parce que t'as pas une tue. Ouais, bah toi non plus. Ok.
Comme tu veux. Ouais, je suis pas là. Juste après. Ton boulot, ça va ? Oh, pas trop mal. Les corpos ont appris à garder leur distance. Et Arasakar commence à recruter des mercs indés, à qui il faut le nec plus ultra niveau implant. Heureusement que Misty est là pour t'aider, et supporter tes jérémiades. Ouais, lui louer un local pour sa boutique a été l'une de mes meilleures décisions. C'est quoi ? Tu dois être la seule personne dans tout Night City à être content de son sort. Passé un certain âge, t'arrêtes de t'accrocher à tes illusions. Ça te simplifie la vie, crois-moi. J'ai enfin récolté assez d'édits pour tout te rembourser. Garde-les, juste au cas où. T'en as plus besoin que moi. Je vais pas tout emporter dans la tombe, Vic. Tiens. Et encore merci d'avoir fait tout ce boulot sur moi sans voir la couleur d'un ennemi. Les amis sont là pour ça. Je me disais que je pourrais remplacer mon chrome. T'as de nouveaux jouets ? Jette un œil. Merde. Sympa. Attends, il y a un prix sur tout ça, non ? Il y a pas de prix ? Si, il y a un prix, oui, voilà. Je suis dit, c'est bizarre quand même. Hein. Oh. Mais attendez, mais c'est pas ça qui fait que... Ah ouais. Ok. D'accord. Ouais, donc je suis en manque de thunes. Écoute, te moque pas, mais je vois des trucs bizarres en ville. Des sortes de fresques. Mais je sais qu'elles sont pas réelles. Bah, c'est juste un bug de Kiroshi. Je peux regarder. Non, les images sont trop complexes pour un bug. On dirait des sortes de symboles. Dans ce cas, c'est la biopuce. Ton cerveau arrive pas à gérer la surcharge de données. Ou bien ton cortex est atteint. Tu peux faire quelque chose ? Non, vaut mieux trouver comment te débarrasser de la biopuce. Ok. Bon. Je me barre. Il faut aussi que je parle à Misty. De quoi on parlait ? Ah, c'est vrai. J'ai vu une image bizarre dans la rue. Ça m'a fait penser à toi, à ton boulot. Tu peux me la décrire ? Je l'ai scanné, regarde. Un tarot. Un arcane majeur. T'as vu un signe d'une puissance supérieure. T'as dit quoi ? Un arcane majeur ? Une carte de tarot, un archétype, un savoir sous forme symbolique, une étape dans le voyage de ta vie. À toi de choisir. Bon, bref. Tu dis qu'une puissance supérieure me parle à travers les tarots ? À toi ou à Silverhand, ou à vous deux, vu que vous formez un tout harmonieux pour le moment. Ça simplifierait les choses si cette puissance supérieure était plus directe. Tu sais, le monde est un labyrinthe d'illusions.
La lumière a du mal à éclairer la prison de notre existence terrestre. Ouais, super. Et moi, je fais quoi d'un signe que je pige pas? Et qui vient d'une puissance dont je sais rien? Je commencerai par en chercher d'autres. Le tarot décrit une route. Alors, tu dois la suivre. Je sais toujours pas ce que je suis censé faire de ce que je trouve. Cherche d'autres images. Elles doivent être liées à l'endroit où tu les trouves. Pense à ce que tu vois. Si tu veux mon avis, on te les envoie pour t'aider à trouver la vérité. Trouver la vérité, c'est pas franchement ma priorité en ce moment. Une épreuve difficile t'attend lorsque tu devras choisir la route à suivre. Alors, tu comprendras. Je sais pas. Reviens quand tu en auras trouvé d'autres. Je t'aiderai à déchiffrer ce que t'as vu. Ok. Je vous le dis, non ! Les Arasaka ne sont pas un... Non. Je sais pas s'il faut que je... Ah oui, il faut que j'aille voir... Oui, c'est vrai, Ils ne sont même pas humains ! Ce sont tous des vampires ! Merde. Paname. Ah, je confondais le nom et le prénom en même temps. Ça faisait Paname, Palmer, 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 Paname, Palnam. Je savais plus. Est-ce que je peux améliorer mon personnage? Ça a l'air. Intelligence, elle est déjà bien développée. Est-ce que je peux... J'ai pas l'impression. Je ne peux pas... Ouais, moi j'ai plus rien. Dommage. J'en ai marre qu'on me colle au cul. Attends, t'as vu ta voiture. Zo, hein, mais bon. Pas ouf, quoi. C'est vous, voilà, je fais que passer, bordel. Ça passe si je fais ça. Ah ouais. C'est bon, tout va bien encore. Secours. Oula. Petit lac qui fait plaisir. Bam. Mérité. Fallait pas aller être aussi vite. Fallait pas aller aussi vite, pardon. Je peux même plus parler. Ah là là là. Ah, qu'il y a Claire aussi qu'il faut que je vois. Je
pense que après ça, si c'est pas trop long ce qu'on va faire là, on va voir Claire. J'aurais dû prendre ma moto quand même, enfin la moto, celle qui m'a été fournie en tout cas. Pas de Panam, pas celle de Scorpion mais celle de Jackie. Pauvre Jackie. C'est un peu chiant d'entendre toujours le même bruit quoi. Surtout là-dedans. Insupportable. Je me mute quand je tousse parce que vraiment ça fait un bruit très chiant quand je tousse. Que ça vous évite ça en tout cas. C'est plus cool. Les autres resteront ici au camp. Je veux qu'une patrouille me fasse un rapport toutes les demi-heures. Est-ce qu'on se prépare à une visite de Harvey, t'es là. Qu'est-ce qu'il fout ici? Je t'ai interdit d'approcher de ce convoi de Militech, alors du coup tu l'as appelé. Pour pouvoir agir dans mon dos, c'est ça? Bah ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit à V de se pointer juste devant. Tu crois que tu peux interdire à Panam de faire quoi que ce soit? Tu peux me croire, ça sert à rien. Elle en fera qu'à sa tête. Elle fera rien, pas si elle veut rester dans cette famille. Putain de merde, Saul! T'es pas sérieux? Tu vas vraiment laisser ce basilisque nous filer entre les doigts? Bah ouais. Une occasion pareille! Une occasion de quoi? De foutre en l'air le boulot qu'on est venu faire ici? Je crois que cette dispute mène à rien. Allez, quoi, mettez-y un peu de cœur. Non, le sujet est clos depuis longtemps. Les gens de chez Biotechnica seront là dans une heure. Essayez de pas faire de nouvelles conneries d'ici là. J'y crois pas. Et il s'en va, et il est content, et tout va bien. Je croyais que le contrat avec Biotechnica était mort et enterré. Saul insiste pour qu'on aille jusqu'au bout. Pour prouver que les Aldecaldos tiennent parole. Et la protection des cultures, bien sûr, personne n'en a rien à branler. Tout ce que Saul va réussir à prouver, c'est qu'une corpo peut nous marcher sur la gueule. Et nous, on leur dira merci. C'est quoi cette histoire de basilisque? C'est un Panzer cargo blindé de Militech. Un vieux zinc des années 2060. Ils veulent l'envoyer dans un pays pauvre. Un endroit où ils pourront encore le faire passer pour une tech ultra-moderne. Le convoi de Militech passera par la 101. Juste sous notre nez. Ça serait con de pas leur dire bonjour. Laisse-moi deviner, c'est ton idée tout ça? Comment t'as deviné? Saul aurait pas les nerfs à ce point autrement. Je crois que V a raison. Si l'idée était venue de lui, Saul dirait que c'est le plan le plus génial de toute l'histoire. C'est pas du tout le genre de Saul. C'est juste un lâche. Il préfère rester prudent et attendre une bonne occasion. Pour la bonne famille. Occasion. Ce basilisque, il vaut le coup de te friter encore avec Saul? Ouais. Un engin comme ça, ça nous permettrait de nous remettre en selle. La famille part en vrille.
Si on conclut ce deal à Hydrotechnica, personne ne nous prendra plus jamais au sérieux. Ok. Donc vous voulez agir dans le dos de Saul. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir. Cassidy, Ted, Carol, Bob, ils sont partants eux aussi. Hé, hey, qu'est-ce qui te prend? Je croyais que vous aviez fini par vous entendre, Saul et toi. Moi aussi. Mais faut croire qu'on s'entend que quand quelqu'un essaie de nous tuer. Justement. Tu lui as sauvé la peau. Tu veux à nouveau tout foutre en l'air? Je lui ai peut-être sauvé la peau, mais lui, il continue d'ignorer tout ce que je dis. Alors je crois qu'on est dans un cercle vicieux. Tu te souviens? La fois où tu m'as dit de te mettre un bon coup de pied au cul, si tu te remettais à déconner? Ouais. Mais c'était avant notre attaque contre le camp Drafen. Je crois que c'est à ce moment-là que t'aurais dû saisir l'occasion. Non, c'était différent. C'était une mission pour sauver quelqu'un de la famille. Là, tu veux juste lui faire à l'envers. Si t'es venu pour me faire la morale, tu peux te casser tout de suite. Ok. Vous comptez le piquer comment, ce basilisque? Merci, V. J'ai pas encore dit que j'allais vous aider. Ok, allons parler avec les autres. Tu peux. T'as du mal, hein? Bon, à part les quatre vétérans, personne d'autre marche dans ce plan? On n'a pas pris la peine de demander aux autres. Il y avait le risque que quelqu'un crache le morceau à Saul. En plus, il n'y a que les vétérans qui comprennent ce qu'un basilisque nous apporterait. Attends, tu te fous de ma gueule, là? Ça m'a l'air salement risqué. Eh non! Ça va être tranquille. Il n'y aura quasiment pas de sécurité pour protéger le convoi. En plus... On fera une bonne action pour préserver la paix dans le monde. Hein? Pourquoi on laisserait ce monstre servir d'arme dans une guéguerre du tiers-monde? On en fera un bien meilleur usage ici, en Amérique. Alors, t'as retenté le coup avec Saul? Ça a pas marché? Non. Bon, écoutez-moi tous. Militech va transporter le basilisque en pièces détachées, réparties dans deux camions. Attends. T'aurais pas la voix qui tremble un peu? Oh, ta gueule! Le convoi va s'arrêter au passage à niveau sur la 101. On les attaque par derrière et on fout le camp très vite. Des questions, des commentaires? Beau boulot, ma belle! Je sais que Panam est en froid avec Saul. Mais vous? Il y a quelques années, l'idée de bosser avec les corpos nous aurait même pas effleuré. Mais pour se faire un nom, il nous faut du bon matos et de bons contrats. Et Saul se rendrait compte s'il n'avait pas la tête enfoncée dans le cul jusqu'aux épaules. Ok, je marche. Ok, merci. On va d'abord aller jusqu'à la gare. On y trouvera la loco qu'il nous faut pour bloquer le convoi. Tu viens avec nous ou on se rejoint là-bas? Ouais. Je viens avec vous. Super, en route. Je peux entendre un léger tremblement dans ta voix. Mais non! Allez, je parie que t'as les mains moites aussi. Je t'emmerde! T'es sûr que t'as pas laissé de traces? Militech va rien remarquer. Tu serais pas en train de m'insulter par hasard, Bobby? Ça va, ça va. J'ai rien dit. On a quand même les voitures, hein. C'est... Pauvre voiture qui a demandé. Rentre-lui dedans! Oui. En route! Ça va pas, hein? Personne va remarquer que t'as disparu au camp? Saul a aucune envie de nous voir là-bas, de toute façon. Monsieur veut faire bonne impression sur les costards de Biotechnica. Ça aiderait pas que vous fassiez la tronche. Ouais, ça c'est clair. Pour les Raffens, t'en dis quoi? Ils vont causer des ennuis? C'est ce que pense Saul. Il a posté des sentinelles un peu partout autour du camp. C'est pas une bonne chose? Il s'y prend mal, il continue de combattre les symptômes au lieu de combattre la maladie. La vie à Night City, ça te manque pas? Parfois, peut-être. Ce qui me manque, c'est l'impression de liberté, de prendre un nouveau départ. Mais je veux pas non plus oublier cette sensation de vide. Le sentiment que rien n'a de sens si on est seul.
Ouais, moi aussi, il m'a fallu du temps pour m'adapter. Mais... j'ai jamais été complètement seul. T'avais quelqu'un ? Un pote, un vrai. Il s'appelait Jackie. Je pense sincèrement qu'il t'aurait plu. Jackie, je m'en souviendrai. On y est. Sacré morceau. Si tu l'aimes tant que ça, on pourrait peut-être le détourner à la place. Et laisser le basilisque poursuivre sa route. Ouais, après on pourra faire des allers-retours jusqu'à la 101. Je suis sûr que Saul serait fou de joie. On est prêt? Bon, le convoi de Militech doit faire le trajet depuis Night City jusqu'à une base où l'acheteur les attend. On va arrêter le convoi au passage à niveau. Il suffira juste de lui barrer la route avec notre nouvel ami. V, t'as des questions? Et comment vous comptez déplacer ce truc? La tech est pas récente, Carole va la pirater. Et après, il faudra que je dégote une autorisation de la tour de contrôle pour le déplacer. Elle a l'air abandonnée, la tour. On va s'occuper de ça. Madame et toi, chopez-nous juste le code d'autorisation. Ok, on se met au boulot. On a trouvé une entrée. Besoin d'aide ? Bah oui, tu vois bien. Mais à ta place, je chercherai un autre moyen d'entrer. Ça passera pas, super, je passe pas un truc qui fonctionne en fait déjà. Enfin qui est déjà ouvert, pardon. Je peux même pas parler. Même si on réussit notre coup, Saul sera furax. Je vois déjà sa tête d'ici. Comment t'as fait pour entrer là-dedans? Moi j'ai dû me taper cette putain de porte. J'arrive. Tiens, je t'en étais tout en haut là. Merde. Très putain. J'ai toujours aimé les trains. Et les gares aussi, où toutes les voies se retrouvent. Les gares d'échange. Ouais, c'est ça. Quand on les voit de dessus, on se sent... libre. Comme si on avait le choix entre 1000 destinations d'un coup. Encore plus haut. Ok, on y est. Ah, bonjour. Nos affaires vont pas se régler toutes seules. Ça va. Quoi ? Carole ! On doit chercher quoi ? Des cartes perforées. Des cartes quoi ? Des cartes rectangulaires, avec des rangées de trous. Tu peux m'aider à chercher ? Non, pas de soucis. Dommage. C'est pas ici. Rien ici. C'est pas ici. D'accord. Que dalle. Prendre c'est pour dire juste que dalle. Ça. Non. Elle doit être quelque part dans le coin. Tiens. Regarde bien partout. Après, elle a dit des cartes. Non, il y en a plusieurs. J'en ai une. Bien joué. Carole ! On a une carte ! On fait quoi maintenant ? Il faut la mettre dans le lecteur. Bon, V, la carte ! Oh, ça dans va. Le lecteur ! Ça grimpe comme ça. Croisons les doigts.
a marché. Viens voir. On va pouvoir jouer au petit train. V, t'as un moment, faut que je te parle. Tu me manquais ? De quoi tu voulais qu'on parle ? Tu vas trouver ça bête parce que c'est moi qui t'ai demandé de m'aider, mais... Enfin... Pourquoi t'as accepté ? Je fais pas gratos. J'ai envie de voir comment ça va tourner. Tu crois que je vais me foutre dans la merde ? Ça te ferait marrer, c'est ça ? Ouais, peut-être un peu. Et puis, j'aime savoir que tu tiens toujours le coup. Alors tu comptes venir me voir souvent, c'est ça ? Mm-hmm. Je vais garder un œil sur toi. Viens, on va rejoindre les autres. C'est le jeu qui dit ça, hein. C'est pas moi. Oh putain, c'est gênant. Le convoi, vous le surveillez, je suppose ? Ouais, Carol se branche sur leur communication de temps en temps. Tout se passe comme prévu. Pour l'instant. Est-ce que tu sais où est Panam ? Panam, pardon. Pas sa babysitter. Oh, flemme. Attends, quoi? Ok. Pose un peu ton cul, ma puce, et respire un coup. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Le convoi vient déjà vers nous. Y a plus qu'à attendre, alors. T'as l'air terrifié. Comme si t'étais la première personne à tenir tête à Saul. Ah, oh, garde ta salive, j'ai pas besoin qu'on me réconforte. Ah, oh, c'était quelqu'un que je connais. Que t'as connu, Scorpion. Il est rentré de la guerre, la tête farcie de nouvelles idées, et avec plein de nouveaux contacts. Il a voulu pousser Saul à nous rapprocher des Snake Nation. Il disait que ça nous rendrait plus forts. Je crois qu'il m'en a jamais parlé. Et Saul, qu'est-ce qu'il a fait ? Saul l'a remis à sa place en lui disant de pas créer de tension dans la famille. Putain, il lui a pas confié de boulot pendant un an. Super. Merci pour le réconfort. T'as dit toi-même que t'en avais pas besoin. Vous parlez pas beaucoup de la guerre ? Pour dire quoi ? Il nous foutait juste dans un Panzer au Mexique. Il nous disait « c'est tout droit ». Après, on passait des semaines à parler tout seul, ou même à l'IA embarqué, en buvant des litres de iodure parce que le compteur GGR voulait pas fermer sa gueule. Mm-hmm. J'ai le cul couvert de boutons rien qu'à l'idée de m'asseoir dans ce cercueil brûlant. Ouais. Mais vous avez tous hâte de carrer votre cul dans le basilisque, non ? Pas pareil. Ça a rien à voir. Tu comprendras quand tu seras dedans. On devrait porter un toast à Scorpion. À Scorpion ! Et à Jackie.
Je vais essayer de dormir un peu. Ok, le convoi va mettre un moment pour arriver jusqu'ici. S'il se passe un truc, réveille-moi. Sauf si t'as aussi envie de dormir. Je vais juste m'allonger un peu près de toi. Regarder les étoiles. C'est une autre de tes spécialités? Genre, t'as aussi des cartes du ciel en rayon? Bien sûr! Tu vois la grande casserole? Avec la petite étoile qui scintille à droite? Ouais. Tu la vois? Oh, bah merde! Ça veut dire qu'elle a vraiment une fuite! Bonne nuit, V. Les voilà! Ils arrivent! Tout le monde est prêt? On y va, V! J'ai pas compris la blague, elle était pas drôle. Détachez un wagon, le train prendra de la vitesse. V, c'est pas le moment d'hésiter, dégomme le couplage! On approche, mais on est toujours trop lent. V, tire sur le couplage! Ouais! Je les vois! Encercle-les dès qu'ils seront arrêtés! Mais vraiment là, genre? Contact! À couvert! Allez, on fonce! Viens m'aider, V! Tirez! Tirez! Dans le métro! Par contre, genre. Prends tes balles. Vite.
plus tenir longtemps. On va sortir. Aïe 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 aïe. Ok, non, attends. Ok, parfait. Putain, ça a marché. Évidemment que ça a marché. Je te l'avais dit. Faut juste être sûr que ça ne suit pas, quoi. Comment ça va, V? T'as pris ton pied? Un peu, ouais. T'as de la chance, c'est pas toi qui va devoir remonter ce tas de ferraille. C'est Mitch et Teddy qui vont s'amuser maintenant. Pas rouler en fait. Bon, je viens de perdre le canal de Minitech. Les costards ont fini par se rendre compte qu'on les écoutait et ils ont changé les codes. Pile au bon moment, je trouve. C'est quoi ça, hein? J'aime pas. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Oui. Donc c'est. Si je fais ça? Bizarre. T'as les camions par contre, comment est-ce qu'ils se déplacent? Je peux lui parler si tu veux. Merci, mais non, je m'en charge personnellement. Putain, Paname! Et c'est parti. C'est quoi ce bordel? Exactement ce que tu vois. Le basilisque. Tout ce que je vois, c'est deux camions avec d'énormes logos Militech. Et putain, Paname, on les repère à des kilomètres. Tu crois qu'on n'a pas déjà assez de problèmes sur les bras? Les Raffen pourraient nous tomber dessus à tout moment. Et maintenant, on va aussi avoir Militech au cul. Ça suffit, putain! Tu fermes ta gueule, maintenant! T'as envie de lécher le cul des corpos toute ta vie? Très bien, bah vas-y! Alors dans ce cas, on laissera le basilisque en souvenir de ce qu'était cette famille. Ou sinon, tu sais quoi? La prochaine fois qu'on se fera attaquer, on pourra riposter! Quand j'en aurai fini avec Biotechnica, on organisera une réunion de famille pour parler de ça. Et de toi. En attendant, je veux plus voir ces camions. Et le basilisque? On peut l'assembler? Fais ce que tu veux, mais disparais de ma vue. Bob, Mitch, faites le tour avec les camions. Il faut les décharger. D'accord. Mais on en fait quoi après? Oh, j'ai une idée pour ça. T'as de sacrés poumons, dis-moi. Merci. La dernière fois que j'ai crié comme ça, ça doit remonter à mes 10 ans. Eh ben, t'as pas à t'en faire pour ta voix. Est-ce que ça va? Ouais, évidemment. Mais braquer le convoi, c'était quand même bien plus sympa. Si jamais t'as besoin de moi, tu m'appelles et je viens.
Mais... bien sûr que j'aurai besoin de toi. Alors attends-toi ce que j'appelle. J'attendrai. Prends soin de toi. Ok. Bon. Prochaine mission, ça devrait être clair. On va se mettre devant chez Claire. Ouais, donc c'est ça. On va se mettre devant chez Claire. Elle est où ma voiture? C'est pas ça. Ils ont volé ma voiture. Ils ont volé ma voiture. Ils mettaient un câble, moi. Bah, super, bonne ambiance en tout cas. Hein. Là, je peux pas la faire spawn. Non, je peux pas la faire spawn. Oh, mais chier. Ah, si, c'est bon. Non, je vais prendre celle de Jackie. Est-ce qu'elle va pouvoir arriver à moi? Même pas. Alors, rien à foutre. Ok, d'accord. Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi je suis en tenue comme ça, hein? Ah oui, c'est parce que j'ai eu ça. Ok. Il y a un revendeur quand même, pas loin. Duck, appartement, armurerie. Ah non. Peut-être là-bas, quoi. Ouais bah 2 secondes. C'est pour 30. Voire 1 heure. Voire le lendemain. Voire jamais en fait. Allez. Des vêtements, on va essayer d'en acheter d'autres si je peux. Je peux, je pense. Puis c'est good. Hein. Du neuf ou de l'occasion? De l'occasion. Personne ne veut plus envoyer de neuf jusqu'ici. Mais je me plains pas. Vous savez, suffit d'aller fouiller sur la voie rapide dans les épaves. Si on a l'œil, on trouve toujours. Je cherche des vêtements corrects. Vous avez de la chance.
Les prix sont massacrés ici. Mmh. 80 000 la vendeuse, ça va? Tranquille? Là, je peux vendre tout ça. Maintenant, je peux essayer d'acheter des trucs qui sont... Ah, je suis déjà à 30 000! C'est bien. Ok. Donc, vraiment, vêtements. Inventaire du coup. Bon, on va totalement ici. Ok, bon, bah c'est tout bon pour moi. Rogue m'appelle. Hey, j'ai élucidé le mystère ébonique. J'ai fait le tour de mes contacts. Un de mes vieux tchou m'a tilté sur le nom de Grayson. Il a fait des recherches. Recherches qui l'ont mené vers une section des quais en territoire Maelstrom. Pourquoi ces quais s'appellent Ebuniké? Me dis pas que ça a un rapport avec cet ancien maire. Si, en fait. C'est pas des quais. C'est un ancien porte-conteneur là-bas qui porte le nom de ce maire. Alors t'as trouvé Grayson? Il peut vraiment nous mener à Smasher? Viens me voir à l'Afterlife. On en discutera. Ok. Ok. Bref. Et bah pour moi, en vrai, 2h45 de stream, c'est déjà pas mal. Pour une VOD. Je vais vous laisser.